Il y a Ferraoui qui faisait l'appel devant, mais on a préféré jouer sur le côté gauche à l'entrée de la surface de réparation. Une nouvelle fois, laissé droit, le tir qui passe juste à côté de la cage de Maxime Audebois. Qui fait son travail de pressing aussi au milieu du terrain. Botella. Ouais, Botella qui touche beaucoup de ballons. Botella, Ayari qui va remettre. Botella qui était devant, qui réclamait le ballon. C'est dommage, il y avait le bon appel. Attention, la frappe quand même à l'entrée de la surface de réparation. Dimitri, c'est parti dans la surface. Taboué qui arrive à le prendre. Attention, ça fait coup de billard là. Et le ballon qui ressort, petite frayeur dans le camp lyonnais. C'est pas terminé parce qu'on va essayer avec Bouderbal de remettre ce ballon dans le jeu. C'est perdu et l'arbitre qui va tout de suite siffler la mi-temps. Il n'y avait pas eu d'arrêt de jeu. Alors pour un droitier ou pour un gaucher, Dimitri, c'est parti. Et c'est dans le mur. Attention avec la frappe en deux temps. La demi-heure de jeu dans cette seconde période. Et les Lyonnais vont-ils partir à l'assaut de la cage de Papa Lardo? Papa Lardo, lui, il est parti par contre pour la deuxième fois au même endroit avec le ballon. Là, il a failli être lobé. Papa Lardo, il prend des risques, Papa Lardo. C'est étonnant d'ailleurs qu'il prenne des risques comme ça alors que son équipe est plutôt stabilisée. Attention, les Lyonnais peut-être pour le centre. Il n'a pas branché, il a fait signe qu'il n'y avait rien. Attention, les Lyonnais qui sont en avant-poste. Botella dans la surface de réparation. Botella, ben voilà. On attendait la plus belle occasion du match, ben c'est celle-ci. Et c'est à la 76e minute du jeu. C'est parti, c'est pas mal tiré. Ouh, ça a été repoussé, le ballon qui traînait au sol. Et il y a un contre lyonnais. Allez, ça va vite, c'est parti très très rapidement. Oh, est-ce qu'on va pouvoir faire la bonne passe pour Botella? Botella qui va se retrouver seul face à Papa Lardo. Et c'est le gardien Vincent Papa Lardo qui aura le dernier mot. Et voilà, 0-0. Et ben, on partage les points, Dimitri.